Ce qui est dur pour un auteur, c'est de créer son identité graphique d'abord, de se créer un personnage que tout le monde puisse reconnaître et tout, se créer son univers et puis surtout raconter ses histoires à soi et qui concernent un peu les gens. Mais il y a aussi le phénomène du gros nez où on peut se permettre de raconter des choses qu'on ne pourrait pas faire avec un dessin réaliste. Donc moi, j'aime bien jouer avec ça. Alors dès le départ, on sait que c'est une bande dessinée, on va plutôt se marrer avec des gros nez, tout le monde rigole et tout ça. Puis à la fin, j'aime bien toucher dans le sensible et tout, et puis avoir les yeux qui piquent quand on ferme la blouse, quoi. We've chosen four artists who are working contemporary right now and who are all published in French, so the French audience will know them. And they're all exhibited here. We have Hilding, for instance, who's signing right now, and Knut Larsson, and Anneli Furmark, and Pelle Fossil. And they're all published by different French publishers. But they're also doing very different sort of comics. So it's to show the variety of Swedish comics to a French audience. I think that we're a very small country and we don't have a big comics industry like you do here. So the mainstream comics, we have no mainstream comics in Sweden. They're all what you might call alternative or more literary or more artistic comics.